Buon pomeriggio, grazie per la vostra partecipazione. Oggi, come sapete, abbiamo due seminari del professor Kervegan e della professoressa Aubert, che ringraziamo ancora per la generosa partecipazione all'attività dell'Istituto e il contributo che già hanno dato ieri. Secondo me ieri è stata una discussione stimolante, interessante. Penso, spero che siate anche contenti del contributo che c'è stato. E niente, oggi siamo qui per ascoltare. Si continua sulla linea un po' diciamo di Habermas. In realtà il professor Kervegan parlerà del cosiddetto dictum di Beckenförde o il teorema di Beckenförde tra Habermas e Honneth. E poi invece Isabelle ci parlerà proprio di Habermas, se non ricordo male, vero? Bene, cominciamo con il professor Kervegan. Diciamo, vediamo un pochino. Facciamo mezz'ora? 40 minuti? 40 minuti con discussione finale. Certo, sarebbe meglio forse discutere separatamente, vediamo ora come vediamo, se no facciamo una discussione finale complessiva, perché se no diventa più complicato. Ok, diciamo che dobbiamo chiudere alle 7:50, meno un quarto, meno 10. Grazie ancora. Grazie a te. Je vous demande pardon, je vais parler en français, pour la discussion, on pourra utiliser l'anglais, l'allemand, l'italien, pas de problème. Et si je parle trop vite, faites-moi des signes. Par ailleurs, si vous voulez, je peux vous envoyer le texte. Vous m'écrivez un mail et je vous enverrai le texte de la conférence, si vous voulez. Alors, je commence. Le grand juriste Ernst Wolfgang Beckenförde, grand spécialiste de droit constitutionnel, est l'auteur d'une formule qu'on qualifie usuellement de théorème de Beckenförde. Et voilà cette formule, je la lis d'abord en allemand. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die selbst nicht garantieren kann. Traduction, l'État libéral sécularisé vit sur la base de présupposés qu'il n'est pas lui-même capable de garantir. C'est une formule très célèbre. Ce jugement a été formulé dans le contexte d'un débat sur la sécularisation du politique. Un débat qui s'est développé dans les années 1950 et 1960 et qui, à vrai dire, n'a jamais vraiment cessé, et dont les principaux acteurs ont été Carl Schmitt, Karl Löwith et Hans Blumenberg. En effet, la sécularisation, le phénomène de la sécularisation, peut donner lieu à deux appréciations opposées, selon que l'on insiste sur la continuité entre l'avant et l'après ou sur la rupture. Dans le premier cas, continuité, c'est la position de Schmitt et de Löwith. On souligne que la modernité, souvent sans le savoir, a hérité de ce qui l'a précédé. Par exemple, on connaît la fameuse affirmation de Schmitt dans la théologie politique, « Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. » Dans le deuxième cas, et c'est la position de Blumenberg, ça va Ok. Dans le deuxième cas, on insiste au contraire sur la capacité d'auto-légitimation de la modernité. C'est ainsi que Blumenberg critique dans Die Legitimität der Neuzeit ce qu'il nomme lui-même le théorème de la sécularisation, un théorème qu'il attribue à Carl Schmitt,
et il oppose à ce théorème de la sécularisation la thèse selon laquelle la sécularité du monde moderne ne présuppose aucune sécularisation, une sécularité sans sécularisation. Böckenförde lui-même fait remonter les origines de l'État moderne et donc de la modernité à la querelle des investitures qui a opposé l'empereur et les papes au XIe et XIIe siècle. Böckenförde souligne que la sécularisation a d'abord signifié une désacralisation du politique. Dès lors, c'en est fini en Occident du césaropapisme illustré par l'Empire d'Orient, l'Empire byzantin. Cette désacralisation du politique, dit Böckenförde, je le cite, constitue la politique comme un domaine propre, ce qu'elle n'était pas auparavant, et en ce sens, elle a joué un rôle décisif dans l'avènement de la modernité. Mais cette sécularisation a aussi donné naissance à un problème que la modernité n'a jamais vraiment résolu. Comment combler le déficit de légitimité consécutif à la désacralisation de la politique, ou, si l'on veut, déficit de légitimité consécutif à la dissociation de l'auctoritas et de la potestas. Suivant le théorème de Böckenförde, l'époque moderne n'est jamais parvenue à se donner les forces agrégatives, c'est l'expression qu'il emploie, les forces agrégatives susceptibles de compenser la mise hors circuit du fondement religieux du pouvoir de commander, du pouvoir qu'ont les hommes de commander des hommes. Le principal de ces efforts pour combler le déficit de légitimité lié à la désacralisation, le principal de ces efforts, à savoir la tentative de substituer la nation à la religion comme soubassement homogène de l'État, a même provoqué les dérives catastrophiques du nationalisme et même la barbarie raciste au XXe siècle. Böckenförde, pour sa part, ne propose pas vraiment de solution au problème qu'il pose. Il se demande seulement si, je le cite, l'État temporel sécularisé n'est pas lui aussi forcé de vivre sur la base de ces forces agrégatives que procure la foi religieuse des citoyens. Böckenförde, je le dis pour ceux qui ne le connaissent pas, ne s'est jamais caché d'être catholique, ce qui pour un juriste constitutionnaliste allemand est déjà un peu une exception, puisqu'il n'est pas protestant, ce qui normalement est la règle dans ce genre de profession. Et donc, le sens de son essai, c'est aussi de dire, ne croyons pas que nous en avons fini aussi facilement avec la religion, etc., parce que nous n'avons pas su remplacer, en quelque sorte, les ressources de sens qu'elle formulait et qui permettaient d'asseoir, de donner aux politiques certaines bases. Ce problème de Böckenförde peut être reformulé de la façon suivante, dans des termes qui sont les miens, disons. S'il est vrai qu'un des traits distinctifs de la modernité est la différenciation au sein du système social global d'un sous-système politique devenu autonome, j'emploie ici le vocabulaire de Niklas Luhmann pour décrire ce phénomène de différenciation des systèmes, eh bien, si cela est vrai, et c'est incontestable, ce phénomène d'autonomisation de la sphère politique qui a ses propres règles, etc., néanmoins, il reste que ce système a besoin de puiser des ressources de sens, des ressources éthiques, en un sens très large, dans les diverses croyances
que qu'ont les individus, pas seulement les croyances religieuses d'ailleurs. Et ces croyances, le problème est que ces croyances, elles rassemblent les individus, mais aussi elles les séparent. Hegel, par exemple, était conscient du problème, puisqu'il cherche à montrer, dans les principes de la philosophie du droit, que ce qu'il appelle la « politische Gesinnung », la disposition d'esprit politique des citoyens, leur acceptation, ça veut dire leur acceptation des règles et des contraintes du vivre ensemble, eh bien, cette « politische Gesinnung », dit Hegel, présuppose des « sittliche Wurzeln », des racines éthiques, que pour sa part, Hegel situe dans la famille et dans la corporation. Autrement dit, dans des institutions pré- ou extra-étatiques. L'État a besoin de chercher des ressources éthiques et des ressources de sens dans des configurations non-étatiques comme la famille, la corporation, la société civile en général. Au-delà de Hegel, un courant important de la philosophie politique et de la sociologie contemporaine considère que les appartenances politiques ont besoin de trouver une assise, une base, dans la vie sociale et dans les croyances subjectives qui structurent notre rapport à nous-mêmes et aux autres. L'énorme livre de Charles Taylor, « Secular Age », l'âge séculier, est un exemple remarquable d'application, en quelque sorte, du théorème de Buchenford, autrement dit, d'une riposte au théorème de la sécularisation formulé par, selon Buchenford, par Carl Schmitt. Et je vais examiner, dans ce qui suit, la manière dont ce problème trouve une expression et des éléments de solution qui ne me satisfont pas totalement, d'une part chez Habermas et d'autre part chez Axel Honneth, et notamment dans son grand livre « Le droit de la liberté »,« Das Recht der Freiheit ». Alors d'abord Habermas. Habermas s'est penché à diverses reprises, avant la publication de « Faktizität und Geltung » et depuis la publication de ce livre, sur le théorème de Buchenford, et son but est de réfuter les prémices et la conclusion du dit théorème. Toutefois, et on a un peu abordé cela hier dans la discussion, une nette évolution s'observe, à mon avis, dans certains écrits plus récents de Habermas, et en particulier dans le quatrième chapitre du livre « Entre naturalisme et religion ». Je pense qu'il est traduit en italien. Bon, tout, en italien, tout est traduit. Alors, quelle chance vous avez. Bon. Et ce quatrième chapitre s'intitule précisément, et on voit le rapport avec le théorème, les fondements pré-politiques de l'état de droit démocratique. À première vue, les problèmes dont traite Habermas dans Faktizität und Geltung, dans, comment c'est traduit en italien, diritto, Fatti et normi. Ah, c'est mieux que la traduction française qui n'a rien à voir avec le titre allemand. Donc, à première vue, les problèmes dont traite Fatti et normi n'ont pas de rapport direct avec le théorème de Buchenford. Mais il se trouve que 13 ans après avoir publié ce livre, dans Zwischen Naturalismus und Religion, Habermas éprouve le besoin de commenter explicitement ce qu'il appelle le théorème de Buchenford. Dans le livre de 1992, donc Faktizität und Geltung, la question de la sécularisation n'apparaît que de manière épisodique. Mais elle est pourtant à l'arrière-plan du propos. Dès la préface du livre, Habermas explique que la sécularité, die Säkularität des Staates, de l'État,
est directement lié à la thèse centrale du livre qui est, tu l'as rappelé hier, la complémentarité entre état de droit et démocratie. Je rappelle cette thèse formulée dès la préface. Sous le signe d'une politique intégralement sécularisée, il n'est guère plus possible d'obtenir ou de maintenir l'état de droit sans démocratie radicale. Mais c'est sous le signe d'une politique intégralement sécularisée. Évidemment, la question qui va se poser ensuite, et que Habermas va poser lui-même, c'est est-ce que vraiment la politique est entièrement sécularisée? Et ça, ça sera dans l'autre livre, Zwischen Naturalismus und Religion. Alors, la démonstration de la thèse centrale du livre Faktizität und Geltung, à savoir donc le caractère co-originaire de l'état de droit et de la démocratie, permet à Habermas de soutenir que la conception du droit qu'il propose surmonte ou devrait surmonter l'unilatéralité aussi bien de la conception individualiste et libérale de l'état de droit, Rechtsstaat, que la conception républicaine de la démocratie représentative et participative. Cette thèse centrale du livre, la co-originarité de Stato di diritto e democrazia, elle a d'abord pour but, chez Habermas, de rectifier l'analyse qui était la sienne dans ses Tanner Lectures de 1986, dans lesquelles Habermas affirmait à l'époque que le droit s'organise à partir d'un noyau moral. Désormais, dans le livre de 1992, Habermas récuse cette idée d'une fondation morale du droit et soutient que le principe moral, ce qu'il appelle à la suite de Karl Otto Appel le principe ou, donc principe d'universalisation, bon, le principe kantien si vous voulez, et le principe juridique de la délibération démocratique, que ces deux principes doivent être considérés comme deux formes ou deux spécifications d'une seule et unique procédure de production des normes, ce qu'il nomme désormais, avec Appel, le principe D, le principe de discussion. Par conséquent, pour le Habermas, à partir de Faktizität und Geltung, il n'existe plus de subordination du droit à la morale, mais, dit-il, un rapport de complémentarité entre, d'un côté, la morale autonome et, de l'autre, le droit positif. Et de cette... voilà. Alors, on peut discuter cette thèse et on peut discuter l'auto-interprétation de Habermas qui commande cette thèse. Et je l'ai fait dans d'autres textes et j'avais eu, il y a de longues années, toute une discussion avec Habermas à Munich sur cette question, où il défendait une thèse qui, moi, m'avait semblé indéfendable, à savoir que sa conception du droit était positiviste. Et moi, je lui disais, non, désolé, pour moi, vous êtes un juste naturaliste, même si vous ne voulez pas utiliser ce mot. Bon, voilà, c'était la discussion. Je ne l'ai pas convaincu et il ne m'a pas convaincu. Mais bon. Mais je voudrais souligner ici un autre point en faisant rapidement un parallèle avec Hegel. Chez Hegel, dans la doctrine de l'esprit objectif de Hegel, c'est un point qu'on oublie souvent de souligner, l'État comporte non seulement une dimension objective, institutionnelle, mais aussi une dimension subjective. En effet, Hegel souligne que la constitution de l'État n'a d'effectivité que si elle est en accord avec les dispositions subjectives, les Gesinnungen des citoyens. De même, chez Habermas, la complémentarité
entre état de droit et démocratie, qui est le centre de l'argumentation de Faktizität und Geltung, concerne bien sûr les déterminations objectives de l'état de droit et de la démocratie, donc des déterminations juridiques, institutionnelles, etc., mais elle concerne aussi les attitudes et les pratiques des citoyens qui doivent jouir simultanément, nous dit-il, d'une autonomie privée et d'une autonomie publique. C'est-à-dire qu'ils doivent à la fois disposer des droits fondamentaux de la personne privée, l'état de droit, et des droits politiques du citoyen, compris d'une manière extensive, pas seulement le droit de vote, le droit de participation, etc., mais quelque chose de beaucoup plus vaste. Autrement dit, il y a, je cite Habermas, co-originarité des droits subjectifs, die Rechte, et du droit objectif, das Recht. Mais le raisonnement, à mon avis, rencontre ici certaines difficultés. La conviction de Habermas est que, je le cite, c'est le processus démocratique qui porte toute la charge de la légitimation, car c'est lui qui, je cite de nouveau, assure à la fois l'autonomie privée et l'autonomie publique des sujets de droit. Fin de citation. Autrement dit, c'est cela qui assure la jouissance simultanée des droits libéraux de la personne privée et des droits politiques du citoyen. Or, l'effectivité de ce processus qui aboutit à une correspondance, à une co-originarité des droits de la personne et des droits du citoyen, ce processus suppose des conditions qui, d'après Habermas lui-même, sont mises en question par certains processus que nous pouvons observer dans les sociétés contemporaines. En effet, la condition qui peut permettre de créer une Öffentlichkeit, un espace public politique, cette condition, c'est l'existence, sinon d'un langage commun qui assurerait, dit-il, l'unité de la société. Une telle situation n'a plus cours dans une société complexe et extrêmement différenciée comme sont les sociétés contemporaines, mais du moins faut-il qu'il existe un espace public de formulation des problèmes qui peuvent se poser dans tous les secteurs de la société. Et ces problèmes, il faut que d'une certaine manière, on puisse les mettre en langage d'une manière accessible pour qu'une solution puisse y être trouvée. Le problème est, en gros, s'il est vrai que nous ne partageons plus une culture et un langage commun, comment allons-nous mettre sur la table ensemble des problèmes que nous ne réfléchissons pas les uns les autres dans les mêmes termes? Sans une société civile, au sens qu'a aujourd'hui en allemand le terme de Zivilgesellschaft, qui n'est pas la même chose que la bürgerliche Gesellschaft de Hegel, la Zivilgesellschaft, c'est donc un espace commun de discussion où on trouve à formuler ensemble des problèmes qui souvent nous séparent, nous opposent. Sans une telle Zivilgesellschaft, c'est-à-dire en l'absence, je cite, d'une culture politique suffisamment dissociée des structures de classe, eh bien sans cela, le processus démocratique, condition de l'élaboration de réponses universellement acceptables aux problèmes que nous rencontrons, ce processus risque d'être contaminé par des intérêts particuliers. Or, et c'est là que la question se pose, et que Habermas, jusqu'à un certain point, il se pose cette question à lui-même, les bases culturelles de cette culture politique partagée ont été, l'une après l'autre, ébranlées. Ça a d'abord été, bien sûr, le cas de la religion, qui a cessé depuis longtemps d'offrir à l'ordre juridique et politique un stock de convictions solide et partagé, susceptible d'offrir
Alors ici, c'est intéressant, Habermas emprunte une expression à Böckenförde. Il dit que autrefois, les convictions, quand nous étions tous catholiques, par exemple, eh bien, ces convictions partagées offraient une haltende Macht, une force d'étaiment, une force de soutien à l'espace commun. Donc, la religion ne peut plus, de fait, assumer ce rôle, précisément parce que les convictions religieuses nous séparent, et ce depuis longtemps. Mais plus encore aujourd'hui, dans les sociétés dites multiculturelles, que précédemment. Ensuite, le pouvoir d'unification dont disposait l'idée nationale s'est également épuisé sous le coup des conséquences meurtrières que cette idée a eues, sous le coup aussi d'un multiculturalisme plutôt subi que assumé. C'est ça, le problème n'est pas le multiculturalisme en soi, mais que le multiculturalisme soit subi et non pas assumé comme quelque chose de positif. Et enfin, sous le coup de la mondialisation économique qui a, donné le dernier coup de poignard à l'idée nationale. Tout ceci rend le système de coordonnées nationales impuissant à fournir à la politique le substrat culturel, l'expression est de Habermas, que celle-ci requiert. Alors Habermas a cru longtemps qu'une interprétation souple et ouverte de l'idée nationale pouvait encore fournir des bases culturelles au patriotisme constitutionnel qu'il appelait de ses voeux. Mais il a dû se rendre à l'évidence, ça ne marche pas. Je cite Habermas, « Le lien étroit créé par l'État-nation entre ethnos et demos n'était qu'un passage. C'est dans le texte « Staatsbürgerschaft und nationale Identität « Citoyenneté et identité nationale ». Le lien étroit créé par l'État-nation entre ethnos et demos n'était qu'un passage. Et désormais, dit-il, la constellation post-nationale, c'est le titre d'un de ses livres, « Die post-nationale constellation », prive la nation de son pouvoir mythologique d'intégration culturelle. D'où le report des espoirs en direction de l'idée européenne, on en a parlé hier, mais ça serait un autre sujet, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Mais après tout, on peut se demander, est-ce que le processus démocratique a véritablement besoin d'un support culturel ou d'un support sociétal, si on veut. Habermas, longtemps, a considéré que le tournant procédural, autrement dit, la désubstantialisation de l'idée démocratique, rendait superflu tout substrat, de quelque sorte qu'il soit. Nous n'avons plus besoin de la religion, de la nation, de la communauté multiculturelle comme support de ce qui nous unit. La procédure démocratique elle-même est susceptible de créer ces bases subjectives. En quelque sorte, nous adhérons au processus en y participant, et ce qui crée l'unité politique, c'est simplement la procédure et ses rites, en quelque sorte. Les procédures de la démocratie seraient susceptibles de favoriser le développement d'une culture politique partagée. Or, on peut constater, et Habermas l'a constaté lui aussi, que dans tous les États européens, que ça ne marche pas. Selon une opinion que Habermas cite, qu'il ne partage pas, mais il la cite, je cite, « Le patriotisme constitutionnel est un lien trop faible pour assurer la cohésion des sociétés complexes. » Je relis, c'est important, parce qu'en citant cette phrase, Habermas, d'une certaine manière, admet que les solutions qu'il avait préconisées, patriotisme constitutionnel, ne suffisaient pas. « Le patriotisme constitutionnel est un lien trop faible pour assurer la cohésion des sociétés complexes. » Ça, je crois que c'est quelque chose dont nous faisons l'expérience quotidiennement. Le désamour démocratique
dans des pays comme le nôtre, chute de la participation aux élections, etc., etc., en est la preuve en acte, en quelque sorte. Il est donc douteux que l'unité d'une procédure suffise à doter une société, quelle que soit sa dimension, d'un soi, d'un zi. Comment une société peut-elle se penser comme « moi, je suis une société » Habermas a aperçu cette difficulté. Il a pris la mesure du problème qu'elle recouvre. Ça, c'est une des grandes qualités, on l'a dit hier, je ne sais plus qui l'a dit d'entre nous, mais Habermas est quelqu'un qui est ouvert à la révision de ses propres idées. Et ça, c'est quelque chose d'absolument remarquable. Quelqu'un qui reste ouvert à la nouveauté. Il s'est aperçu qu'il y avait une difficulté et que le problème des bases éthiques qui peuvent soutenir une culture politique commune, une culture politique capable de mobiliser les individus, d'en faire des citoyens actifs, que ce problème restait posé. Et c'est pour cette raison, je crois, que dans des écrits récents, il a introduit cette notion nouvelle, Isabelle me corrigera si je me trompe, elle qui est la grande experte, de société post-séculière. Post-séculière. Tout en continuant d'affirmer que les convictions républicaines ne présupposent plus d'ancrage pré-politique comme les convictions religieuses ou l'appartenance nationale, il reconnaît désormais que, je le cite, « le statut de citoyen est enchâssé dans une société civile qui se nourrit à des sources spontanées ou, si l'on veut, pré-politiques ». C'est toujours dans ce texte « Staatsbürgerschaft und nationale Identität ». Je ne sais plus de quelle année c'est, les années 1990, je pense, ou fin des années... En tout cas, postérieurement à Faktizität und Geltung. Manifestement, désormais, Habermas hésite entre deux voies. Soit, dans le droit fil du livre de 1992, Faktizität und Geltung, considérer, c'est la première voie, que le processus démocratique crée par lui-même le lien unificateur dont toute société a besoin pour être une société. Soit, inversement, on recherchera en dehors de la sphère politique, par exemple dans les croyances religieuses ou dans les attachements sociaux, les ancrages éthiques susceptibles de conforter le vivre ensemble. Et cette hésitation entre les deux voies concerne le cœur même de l'entreprise de constitution d'une politique intégralement sécularisée. Habermas formule ce problème et cette hésitation sous la forme d'une question, je le cite. « Une modernité ambivalente peut-elle se stabiliser à l'aide des seules forces séculières inhérentes à une raison communicationnelle ?» C'est une question forte parce que c'est une question qu'il s'adresse à lui-même. Est-ce qu'une société, une modernité ambivalente peut se stabiliser à l'aide des seules forces séculières inhérentes à la raison communicationnelle? La réponse me semble aller de soi, eh bien, c'est non. Sur la base du constat empirique que l'intégration républicaine, comme l'appelle Habermas, fonctionne décidément mal dans la modernité avancée, dans nos sociétés, notamment dans les sociétés européennes, mais aussi dans la plupart des sociétés, on va dire occidentales, pour se limiter à celles-là, les autres, je ne suis pas en mesure d'en parler. Sur la base du constat que l'intégration républicaine fonctionne mal dans la modernité avancée, et sur la base de la conviction théorique que les processus politiques requièrent bel et bien des ancrages pré-politiques, il est nécessaire de se poser la question des ressources éthiques qu'une politique démocratique est susceptible ou serait susceptible de mobiliser dans un contexte post-national. Habermas lui-même justifie ce choix
lorsqu'il note, je le cite, que « toute action que la société exerce sur elle-même présuppose précisément un « elle-même ». Donc la question est, comment peut se constituer ce « sich », ce « soi », ce « elle-même » de la société? Que présuppose l'action de la société sur elle-même? C'est une terrible question qu'il s'adresse à lui-même et qui, de fait, conduit à remettre en question la thèse de la politique intégralement sécularisée. Bon, je crois que je vais abandonner l'autre partie de mon exposé parce que j'ai déjà suffisamment parlé. Je voulais montrer en deux mots que, en partant de l'analyse du livre de Honneth, Das Recht der Freiheit, qu'à sa manière, sans avoir un dialogue direct avec Habermas, lui aussi se pose ce type de questions, en réhabilitant ou en reformulant en quelque sorte la théorie hegelienne de la stratification de la Sittlichkeit entre plusieurs couches ou plusieurs niveaux, famille, société civile, chez Hegel, Honneth traduit cela dans un autre langage, mais que donc, d'une certaine manière, il affronte le même problème et rencontre un peu, c'est mon avis en tout cas, les mêmes difficultés que Habermas, ce qui fait que le problème, pour nous, ce problème des ressources pré-politiques qui doivent nourrir en quelque sorte notre conscience d'appartenir à une même entité politique est aujourd'hui, et nous le constatons malheureusement chaque jour quand nous sortons des universités, des salles de philosophie pour aller dans la rue ou pour lire le journal, tout simplement, que ce problème, actuellement, nous n'y trouvons pas véritablement de solution. Quelles ressources éthiques peuvent nourrir une culture politique commune? C'est une question majeure qu'il nous faudra résoudre si nous voulons rester une société. Merci. Bene, grazie a Jean-François Kervegan per questa bellissima presentazione, purtroppo diciamo nella parte finale abbreviata, molto abbreviata, ma comunque già infinitamente ricca, quindi c'è molto da discutere. E do subito la parola a Isabelle Aubert per la sua relazione, il cui titolo è precisamente Esclusione e solidarietà, prospettive di teoria critica. Quindi c'è anche la scuola di Francoforte. Merci, merci beaucoup. Voilà, toutes mes excuses également parce que je vais parler en français. Alors, ma communication va porter sur une thématique de la théorie critique qui est peu mise en avant, à mon avis, mais qui traverse en fait toutes les générations de l'école de Francfort, c'est la thématique de l'exclusion, exclusion sociale, exclusion politique. Souvent, en effet, lorsqu'on caractérise la théorie critique, on met l'accent sur la domination. L'école de Francfort serait un courant de pensée qui prend pour objet principal la domination et en propose une critique. Alors j'aimerais montrer, idéalement à travers les trois générations, mais en fonction du temps peut-être que également je couperai, que la thématique de l'exclusion se retrouve aussi bien chez Adorno, chez Habermas, que chez Iris Marion Young. Peut-être que je me contenterai des deux premiers auteurs. Alors par exclusion, j'entends le terme en un sens large, comme le concept qui décrit au mieux l'ensemble des phénomènes s'opposant à l'intégration sociale et qui suscite la déliaison sociale. Alors on peut catégoriser ici, classer ici l'intolérance, la discrimination, la ségrégation. Évidemment, ces termes dans le détail renvoie à des champs sémantiques différents, mais ils se recoupent partiellement et tous sont donc à l'origine de phénomènes d'exclusion. J'aimerais montrer comment la problématique de l'exclusion et de l'inclusion, donc au sens large, est étudiée par la théorie critique à la lumière de deux éléments.
la question de la connaissance des acteurs, tout d'abord, et la notion de solidarité sociale. Alors, souvent, la continuité entre la critique et la connaissance ou la prise de conscience est mise en avant par les commentateurs. Mais on ne dit pas grand-chose sur la notion de solidarité ou sur la motivation même qui sous-tend une critique aboutie. Ce que j'aimerais montrer, donc, l'enjeu de la critique sociale n'est pas qu'une affaire cognitive, mais elle a aussi donc besoin d'une dimension de solidarité. Alors, donc je vais commencer par Adorno, en me penchant sur les études sur la personnalité autoritaire, Studies on Authoritarian Personality. Ces études donc ont été publiées en 1950 par Adorno et trois autres sociologues. Ils mettent à jour donc les mécanismes psychologiques qui conduisent certains individus à mettre au ban de la société une ou plusieurs minorités, donc en l'occurrence les Juifs. Donc c'est une étude systématique des profils psychologiques antisémites et potentiellement fascistes dans les États-Unis de 1945 à 1950. Alors, ces études donc se font auprès d'un échantillon d'environ 2000 personnes de toutes différentes classes, sexes, âges, etc., professions. Les questionnaires sont pensés de façon à saisir quel est le degré d'adhésion aux tendances antidémocratiques ou à l'idéologie autoritaire. Et donc, chaque fois, c'est fait de façon subtile parce que personne ne s'avoue comme étant fasciste ou antidémocratique. La recherche donc porte sur les déterminants psychologiques du fascisme et étudie la structure de la personnalité qui est sensible, tout en signalant évidemment que les facteurs psychologiques ne sont pas la seule cause du développement de l'idéologie antidémocratique, mais qu'ils entrent en consonance avec des processus sociaux et l'organisation d'ensemble de la société. Ce qui frappe le plus les sociologues chez les sujets potentiellement fascistes, c'est leur ignorance de la situation politique. Le discours d'exclusion, en l'occurrence antisémite, serait bâti sur des fantasmes, sur des préjugés, à tel point que les chercheurs découvrent dans l'ignorance et la confusion, je cite, les constituants formels de l'idéologie politique. Indépendamment du contenu même de l'idéologie, celle-ci est donc structurée par une absence de connaissances et un manque d'intelligibilité. Alors, il y aurait diverses causes à cette ignorance politique. Tout d'abord, la complexité des situations. Les citoyens donc seraient un peu perdus par toutes ces informations. Il y aurait également le problème d'une information déjà filtrée par la communication de masse. Mais il y a aussi le fait que on est dans une culture du profit et la curiosité est jugée inutile. On n'a pas le temps, en fait, de s'intéresser davantage à approfondir sa connaissance du monde politique. Enfin, les nouvelles politiques sont écoutées, mais de façon distraite, et finalement, elles sont moins importantes lorsqu'il s'agit de se distraire ou de s'évader que d'autres émissions, le sport, le cinéma, qui eux donc permettent de avoir une autre perspective, un autre horizon sur la réalité sociale. L'aspect en fait décevant de l'actualité politique fait que l'ignorance n'est pas toujours due à une méconnaissance des faits, mais aussi à une résistance psychologique, à un refoulement. Alors, ce sont simplement quelques causes de l'ignorance politique qui ont ceci d'intéressant on pourrait voir là décrit une attitude encore aujourd'hui présente par rapport à la connaissance donc du monde politique.
De façon remarquable, je reviens à Adorno, les sujets interrogés, bien qu'ignorants, ont toujours un avis à exprimer sur la politique. Je cite Adorno, « Les individus se sentent en quelque sorte obligés d'avoir des opinions politiques. » Il y aurait donc une confusion qui consiste à avoir des idées nébuleuses et qui débouche sur une idéologie de surface en créant de toutes pièces un filtre interprétatif de la situation politique composé de fantasmes. Et ce filtre interprétatif, nous dit Adorno, est basé sur des stéréotypes et la personnalisation. Le phénomène de stéréotypie s'appuie sur des idées préconçues, abstraites, générales, détachées de la réalité concrète. Et à l'opposé, donc, il est articulé à un phénomène qui s'appelle le phénomène de personnalisation, lequel est tout aussi inapproprié pour expliquer le réel, et qui consiste à associer des biens ou des mots à des personnes concrètes. Alors, les études sur la personnalité autoritaire nous parlent d'un contexte historique particulier, les années 1945-1950, mais ils ont une portée plus générale. Ils offrent des schèmes explicatifs pour saisir la logique psychologique paradoxale qui motive l'exclusion de certains membres d'une démocratie par d'autres, lesquels pourtant adhèrent au principe de l'universalisme des droits fondamentaux, mais n'en tirent aucune conséquence en termes de solidarité. Cette contradiction entre l'universalisme affiché des principes humanistes d'un côté et l'absence de solidarité concrète a été soulignée dans d'autres textes par Horkheimer et Adorno. C'est pour eux l'une des contradictions de la rationalité moderne. Je vais citer ici Horkheimer dans « The End of Reason ». Horkheimer nous dit « L'accroissement de l'universalité formelle de la raison bourgeoise ne signifie pas que s'accroisse la conscience de la solidarité universelle. » Cette conclusion paradoxale est expliquée dans « The End of Reason », mais aussi dans « Die Dialektik der Aufklärung » comme étant le résultat d'un conflit entre deux types de rationalité, la logique de la raison pure d'un côté et la logique calculatrice. Alors il y a deux hypothèses présentées. The End of Reason voit là un affrontement entre rationalisme et empirisme, donc deux types de rationalité à l'œuvre dans la modernité. La dialectique de la raison, Dialectik der Aufklärung, situe la tension plutôt à travers une réinterprétation de la philosophie kantienne, qui aurait donc été influente pour la pensée de la modernité à l'époque bourgeoise. Et donc, la philosophie kantienne elle-même comporte ces deux logiques. D'un côté, le sujet transcendantal versus une pensée calculatrice. L'idéal universel, en tous les cas, dont est porteur le sujet transcendantal, et avec lui l'utopie d'une vie sociale libre, faite de solidarité, est définitivement empêché par le principe de conservation de soi, maître mot d'une pensée calculatrice dont les conditions de réalisation sont favorisées par le libéralisme. La visée d'une solidarité dans une société libérale est donc, selon Horkheimer et Adorno, irréaliste. Cette société, qui répond à la logique de la conservation de soi, est divisé par, je cite, « des groupes ayant des intérêts concurrents ». Alors, « Dialectik der Aufklärung » et « The End of Reason » offrent une interprétation plus générale des phénomènes observés par les enquêtes sociologiques de 1945. Il est significatif que ces textes d'Adorno et de Horkheimer révèlent quelles sont les attentes déçues de la modernité. Ce qui est déçu, c'est le fait que le développement de la rationalité ne débouche pas
sur le développement de la connaissance, le progrès de l'esprit critique et plus de solidarité universelle. Au contraire, on retient ici que l'utopie avortée d'un rationalisme émancipateur suppose l'usage du jugement critique et une forme de solidarité universelle. Alors, voilà ce qu'il en est pour Adorno, en quelque sorte. Je passe cette fois à Habermas. Habermas, évidemment, n'est pas satisfait par cette représentation, ce diagnostic d'époque, qu'il ne juge plus satisfaisant pour la situation des démocraties occidentales dans les années 60. Habermas signale l'insuffisance de la rationalité instrumentale pour expliquer la logique des évolutions sociétales et perçoit une rationalité bipolaire, si l'on peut dire, à l'œuvre dans les sociétés capitalistes, soumises donc aux effets contraires d'une rationalité communicationnelle et d'une rationalité fonctionnelle. Ce diagnostic revient à reconnaître les ambivalences d'une modernité issue de deux rationalités irréconciliables dont le conflit engendre des problèmes nouveaux. Alors, à partir de l'ouvrage « Théorie des communicative handles » en 81, la notion d'agir communicationnel est présentée comme une réponse à la fois à l'impossibilité de la critique et à l'absence de solidarité que notait Adorno. J'aimerais donc m'attarder sur ces deux points. En ce qui concerne la question du rapport entre critique et connaissance, premièrement, on peut revenir sur un point controversé afin de situer le rapport qu'établit Habermas entre communication politique et connaissance. Alors ce point qui a fait l'objet de débats est le suivant. C'est le fait qu'une démocratie fondée sur une théorie de la discussion, à savoir la conception habermasienne, ait en vue l'idée d'une démocratie épistémique. Habermas, en identifiant une rationalité à l'œuvre dans la communication ordinaire, déplace le lieu de la critique vers la pratique des acteurs. Et ainsi, il déplace également la production de connaissances pratiques. L'ignorance serait donc progressivement vaincue par la libre circulation d'opinion, qui, mise à l'épreuve par des objections diverses, serait susceptible donc de produire des arguments de plus en plus élaborés. L'article de 2008, « La démocratie a-t-elle encore une dimension épistémique ?» est parlant à cet égard de la confiance qu'a Habermas envers les nouvelles plateformes de discussion qui se multiplient sur Internet, et cela pour percer à jour les informations partielles ou biaisées et pour partager plus de connaissances. Ce serait un peu, finalement, sa réponse au problème des fake news. Entendons par là que le caractère épistémique de la démocratie souhaité par Habermas ne renvoie pas à une démocratie d'experts, ce qui lui avait été reproché. Il s'agit d'un savoir concret sur les situations sociales qui est délivré par les acteurs de la société civile au premier chef. Évidemment, il n'est pas certain, on peut dire cela contre Habermas, que le meilleur argument l'emporte toujours, étant donné les limites des discussions concrètes. Mais il est indéniable que les communications de l'espace public sont la source d'apports cognitifs. Ainsi, pour réduire l'ignorance politique des citoyens que repéraient les enquêtes sociologiques d'Adorno, la voie habermasienne va consister par la suite à renforcer les conditions de libre communication des espaces publics politiques en faisant appel au droit. Alors, ça, c'était pour le second point, la question de la connaissance et de son rapport à la critique. Sur le premier point, pardon. Mon second point maintenant, c'est la question de la solidarité. Et donc, j'aimerais donc présenter l'évolution de Habermas concernant cette notion qui devient de plus en plus centrale, à mon sens, dans son œuvre.
Initialement, donc, en 1980, la solidarité est présentée comme une ressource sociale qui se régénère grâce à l'agir communicationnel. Je cite, « L'agir communicationnel est le lieu où se connectent les énergies de la solidarité sociale. » Tout comme pour Adorno, l'absence de solidarité est perçue comme une pathologie sociale par Habermas. Elle est pour lui synonyme de désintégration sociale. Et ce problème l'interpelle de façon récurrente, au point qu'il va lui donner donc une importance de plus en plus grande. En 1980, ce qu'on constate, c'est que la solidarité est analysée en des termes généraux qui donc la relient au problème de la désintégration sociale. La société étant conçue à la fois comme monde vécu pour sa dimension symbolique, que comme système pour sa dimension fonctionnelle, on a ce problème que l'intégration systémique tend à détériorer les conditions de l'intégration sociale concernant le monde vécu. Et donc les ressources de solidarité sociale tendent progressivement à être réduites. Après la théorie de l'agir communicationnel, la notion de solidarité est thématisée autrement, c'est-à-dire qu'on n'est plus simplement du côté de la théorie sociale, on va voir apparaître un concept central de théorie morale et politique. Dans l'éthique de la discussion, donc la solidarité apparaît comme un concept de philosophie morale aux côtés de la thématique de la justice. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre de la reformulation de la théorie morale de Kant, la théorie discursive de la morale, la conception habermasienne, ne s'épuise pas dans une conception de la justice. Habermas prend au sérieux les critiques de Hegel et sa notion de Sittlichkeit, tout autant que le besoin ressenti par Kolberg, le psychologue moral, qui sentait la nécessité de compléter le principe de justice par un principe dirigé vers le bien. Habermas incorpore une visée du bien-être d'autrui et du bien commun dans son approche de la morale. Je cite l'éthique de la discussion. La justice conçue de manière déontologique exige la solidarité comme son autre. La justification d'une telle thèse est fournie donc par l'analyse des intuitions morales qui sous-tendent la théorie discursive de la morale. L'un des enjeux de l'étude de la discussion, c'est de montrer qu'un concept universaliste de solidarité est possible. Les approches particularistes de la solidarité, alors qu'illustrent des groupes sectaires, qu'illustraient par exemple les nazis, n'ont en effet rien à voir avec un principe de solidarité issu d'une formation universelle de la volonté et reposant sur des discussions qui décloisonnent les perspectives égocentriques. La recherche d'universalisation répond à la conscience d'appartenir à une même communauté, nous dit Habermas, dont on est solidaire et que profile l'horizon de communauté de communication idéale. Ainsi pensé, les principes de justice et de solidarité demeurent des devoirs, des obligations, dans la mesure où ils ne concernent que la formation de la volonté individuelle. Mais comme ils sont supposés contrefactuellement par toute argumentation, ils vont signaler plus largement les attentes normatives des citoyens d'une société politique moderne. Et c'est là que s'ouvre la thématisation d'une solidarité, en un sens politique, une philosophie politique. Alors, c'est dans Zwischen Naturalismus und Religion que l'on voit apparaître cette dimension politique de la solidarité chez Habermas. Plus précisément, lorsque le philosophe aborde la question du pluralisme culturel et des croyances religieuses. Une solidarité civique est vue comme essentielle pour étendre à tous les membres d'une communauté la jouissance des mêmes droits. Je cite entre naturalisme et religion,
Il faut concevoir une solidarité civique qui se mobilise dans un respect sans limite de l'égalité universelle et se radicalise en solidarité avec toutes les formes d'altérité. Habermas ne reprend pas le modèle républicain de solidarité civique parce qu'il lui reproche une intolérance éthique. Il critique en effet l'adhésion à un éthos particulier qui lierait les citoyens et qui serait susceptible d'exclure des modes de vie déviants, de discriminer des minorités. Donc il prend une certaine distance par rapport aux théories républicaines classiques, et là, bon, en fait, il faut davantage se souvenir du modèle rousseauiste. Mais en même temps, Habermas ne se satisfait pas complètement d'une réponse exclusivement libérale. C'est ce qu'illustre religion et sphère publique, l'essai religion et sphère publique. Habermas constate que les positions épistémiques des citoyens laïcs et des citoyens religieux sont dans une situation de déséquilibre par rapport au débat public. Il pèse sur les citoyens religieux une charge épistémique plus lourde pour formuler des raisons séculières, détachées de références à des valeurs religieuses. Ce sont donc les conditions post-métaphysiques de la raison publique qui ont tendance à favoriser les arguments laïcs, et ce déséquilibre, ajouté aux différents fondamentaux qui séparent citoyens religieux et laïcs, alimente donc le risque d'une division du corps social et politique. En vue d'une égalité citoyenne, il convient donc de rétablir une égalité des positions par rapport au débat public. Face à ce problème, la voie envisagée par Habermas va faire appel à une pratique de la tolérance, mais pas simplement. À l'arrière-plan se dessine aussi la nécessité d'une solidarité citoyenne. Donc, il articule en fait tolérance et solidarité. Bon. En ce qui concerne la conception habermasienne de la tolérance, on peut dire qu'elle reste en partie dans la continuité de la conception rawlsienne, à la différence, encore une fois, pour Habermas, il s'agit de montrer que la tolérance ne peut avoir lieu de façon ponctuelle. Ça ne peut pas être simplement au gré des interactions, mais elle doit être le fruit d'une démarche volontaire. Et cette démarche volontaire suppose une certaine conscience politique de la part des citoyens afin d'empêcher une fragmentation de la société politique. C'est alors qu'intervient, pour finalement consolider une pratique généralisée de la tolérance, la notion de solidarité. Alors, je cite « Entre naturalisme et religion, sans le lien unificateur d'une solidarité qui n'est soumise à aucune contrainte juridique, les citoyens ne se conçoivent pas comme participant à égalité de droit à la pratique commune qui permet que se forment l'opinion et la volonté et dans laquelle ils se doivent réciproquement des raisons pour leur prise de position politique. » La solidarité ici est présentée comme un devoir du citoyen, un devoir politique et plus simplement un devoir éthique. Appartenir à une société politique suppose de tenir compte dans le débat public des perspectives de tous ses concitoyens. De la sorte, si on essaie de différencier solidarité et tolérance, la solidarité civique est d'abord un devoir d'inclusion de tous, laquelle, dans un second temps, crée des attentes d'autoréflexion et d'écoute envers la position d'autrui. La tolérance, elle, est une conséquence de l'obligation civique de solidarité, articulée au principe de l'universalisme égalitaire. Et ce sont là, ces deux pratiques, de tolérance et de solidarité, les paramètres d'une démocratie qui prend sa base dans la société civile. Alors, j'arrive ici au point que je voulais démontrer dans cette partie, à savoir la critique
la critique communicationnelle qui a lieu dans les espaces publics politiques et qui est protégée par le droit à la liberté d'expression, cette critique ne devient réelle et non pas simplement celle d'une minorité favorisée, que si elle a pour condition d'exercice l'inclusion de toutes les perspectives grâce à une solidarité civique. Il ne suffit pas de signaler, comme le fait Nancy Fraser, qu'il y a des publics subalternes, des contre-publics qui resteraient à l'extérieur de l'espace public libéral. Il convient de répondre à la question de la fragmentation de la société. Et si ma compréhension, si ma lecture de Habermas est correcte, seule la référence à une solidarité permet de garantir que l'espace public politique n'est pas un espace public et restreint. Solidarité en un sens politique, j'entends encore. Sans donc cette notion-là, le risque est que le cercle des participants à la discussion ne s'étende pas au-delà des personnes avec qui nous sommes en bon terme, avec qui nous échangeons au quotidien, avec qui nous sommes familiers, et le risque donc est que jamais ne soient inclus totalement ceux avec qui nous sommes en désaccord, ceux qui ont des convictions différentes. Voilà, il me semble que Habermas, dans Entre naturalisme et religion, perçoit donc de façon profonde le problème de la fragmentation sociale qui exclut certaines personnes, certaines minorités, et pour lequel sa réponse est donc une réflexion sur la solidarité. Alors, bon, j'avais prévu une partie sur Iris Mayon-Young, mais comme tout ceci est un peu long, je vais aller directement à ma conclusion, je pense. Bon, en somme, ce que je voulais dire, c'est que on peut voir, donc, me semble-t-il, une autre lecture de la théorie critique se profiler si on ne prend plus pour objet principal la question de la domination, mais la question de l'exclusion. Souvent, donc, la théorie critique de la société est présentée comme un courant de pensée qui prend pour cible principale la domination. Il me semble, j'espère, avoir montré que c'est un tableau plus complexe qui apparaît. D'une part, il est sensible que la question de l'exclusion n'est pas réductible à la question de la domination, mais que sous les formes variées qu'on lui connaît, la discrimination, l'intolérance, la ségrégation, eh bien, il y a, aussi bien chez Adorno, chez Habermas, bon, chez Young, je n'ai pas pu en parler, donc des analyses spécifiques qui se rattachent à cette thématique. Il y a par ailleurs une ligne continue chez ces auteurs pour montrer comment la question de l'exclusion trouve une réponse dans une réflexion sur la solidarité en tant que principe donc, d'inclusion. Il est apparu également plus précisément que la pratique critique, la critique sociale issue des acteurs, qui va permettre donc de se défaire de la discrimination et des préjugés, ce que montre Habermas, ce que montre également Young, cette pratique critique a deux conditions de possibilité, deux conditions complémentaires. Il faudrait donc, si l'on veut vraiment que la critique soit menée par les acteurs de la société civile et pas par le théoricien, un espace libre de délibération ou de communication, et donc, je le disais, des pratiques de solidarité à l'égard des membres de la société politique. Ainsi, donc, l'emphase que met Habermas, que met également Young sur la critique des acteurs, à la différence d'Adorno, ne doit pas masquer le fait que, pour eux, cette critique ne reste pertinente que si les énoncés sont l'expression de tous les membres de la coopération sociale. La portée donc cognitive et l'effet transformateur de la critique dépendent de sa capacité à inclure dans sa pratique même les personnes concernées et donc au préalable
cela dépend de sa capacité à motiver cette recherche de l'inclusion. Voilà. Merci. Siamo partiti dal teorema di Böckenförde, da lì siamo tornati nella preistoria della teoria critica, abbiamo trascorso tutto un secolo di teoria critica per tornare nuovamente al punto di partenza, cioè quei temi sull'esclusione legati alle minoranze che il tardo Habermas vuole tutelare e benché fu considerata una cosa un po' strana che comincia a far rientrare la religione, ma in un altro senso si può anche considerarlo come una molto coerente continuazione del suo tentativo di far valere tutte le voci, di far sentire tutte le voci. Penso che, non so, tu hai un problema di tempo, no? O no? Vorrei dare prima a te la possibilità di replicare a questi due interventi per aprire poi il dibattito. Ok, allora cominciamo con voi. Sempre per un fatto di registrazione, vi prego di venire al microfono. Prego. Tout d'abord, je vous remercie pour vos interventions. J'aurais deux petites questions qui ne sont pas spécialistes, mais peut-être que j'ai mal compris quelque chose. La première sur la question de la mondialisation, vous avez dit, c'est des citations d'Habermas, je pense, la mondialisation a donné le dernier coup à l'idéal national. Est-ce qu'il est effectivement vrai? Je veux dire, si on se pose dans une perspective qui n'est pas européenne, est-ce que cette affirmation elle est effectivement vraie? Et même la question du patriotisme constitutionnel, si on se pose toujours au-delà de l'Europe, moi, je ne vois pas comme quelque chose qui est en train d'être dépassé aux États-Unis, dans certains pays de l'Amérique latine, ou encore en Chine, par exemple. Et après, une deuxième question, c'était sur la question de le problème de la solidarité. Je me demandais si on peut lire le chômage, par exemple, comme une question d'exclusion sociale et civile. Et si, à partir de ce problème, par exemple, du chômage, si on peut penser à une solidarité, pas comme élément volontariste à l'intérieur de la société civile, mais comme quelque chose qui est à la charge de l'État directement, et dont l'État il prend en charge, par exemple, des problèmes qui sont des problèmes de solidarité comme c'est là. Merci. Je vais parler en italien parce que quindi parlo in italiano, spero si capisca. Spero anche di aver capito bene, nel senso che purtroppo il mio francese è un po' così claudicante, diciamo. Però se ho capito bene, secondo Habermas c'è un problema per cui la pratica democratica e la inclusione che la pratica democratica permette è sostanzialmente insufficiente per creare una coesione la quale a sua volta rende possibile la pratica democratica. E diciamo la constatazione di questa insufficienza deriva da una lettura di fatto, cioè la nostra società, pur essendo democratica e pur promuovendo un'integrazione del cittadino all'interno del sistema, diciamo, decisionale democratico, si trova in difficoltà, diciamo. Allora, la mia questione è, ma
Siamo sicuri che ci sia stata questa intensificazione della pratica democratica? Nel senso che la mia impressione è che questa integrazione civile del cittadino all'interno della pratica discorsiva si scontri con quella razionalità strumentale che determina per altro verso l'esistenza dei singoli. Cioè, secondo me, adesso detta molto brutalmente, c'è un problema, c'è il problema di Marx al fondo di questa questione, nel senso che la democrazia intesa come integrazione formale del cittadino all'interno di una pratica discorsiva arriva prima o poi a scontrarsi con un contesto sociale antagonistico e con interessi antagonistici. Quindi la questione potrebbe essere quella per cui la costituzione di un corpo politico e di uno Stato e anche quindi il fondamento etico di questo Stato non possa non essere inteso in senso religioso e prepolitico, proprio perché si dà per scontata in qualche modo una cornice che impedisce di trascendere una concezione formalistica dello stare assieme. Cioè, l'impressione che Habermas in qualche modo escluda la possibilità anche di intervenire in maniera più radicale, nella democratizzazione della società. Cioè, per come la vedo io, la democratizzazione radicale della società implica prima o poi anche una messa in discussione dei rapporti proprietari e produttivi, e quindi anche la questione della solidarietà intesa in un senso strutturale, Ok. Spero sia chiaro, insomma. Salve, grazie di questa lezione. Anche io parlo in italiano e premetto che spero di aver capito il messaggio, queste belle lezioni, spero di aver capito i termini della questione. E allora, occupandomi di diritto costituzionale, la mia domanda verterà intorno alla questione che è stata posta, relativa alla domanda: è sufficiente il principio pluralistico essenzialmente per garantire una coesione sociale, una unità dello Stato e della società, se ho capito bene la questione, cioè nella prospettiva della secolarizzazione ci si chiede se mancando un fondamento etico dello Stato si possa in egual misura garantire la sua unità e coesione. E allora la mia domanda è questa. Partendo dalla seguente premessa, cioè che il pluralismo non è soltanto il principio pluralistico non è soltanto quello che garantisce che la pluralità delle voci delle società complesse arrivi nel meccanismo decisionale, ma è anche quello che pone le premesse affinché ciò possa effettivamente avvenire. Cioè, non è soltanto un principio formalistico, ma è anche un principio che vuole che le premesse sostanziali siano effettivamente esistenti. E quali sono le premesse sostanziali che consentono al pluralismo di inverarsi? Per esempio, la garanzia, certamente questo è noto, dei diritti civili della persona, ma anche però dei suoi diritti sociali. Perché garantire, per esempio, la libertà di stampa e di manifestazione del pensiero senza garantire allo stesso tempo una formazione dei cittadini rende impossibile l'esercizio effettivo da parte di tutti della propria libertà di pensiero, della libertà di manifestazione del pensiero. Si potrebbero fare
tanti esempi. E quindi come presupposto del principio pluralistico noi vediamo la garanzia dei diritti civili, la garanzia dei diritti sociali, la garanzia dei diritti delle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell'individuo. È significativo a questo proposito che la Costituzione italiana all'articolo 18 equipari i diritti della persona, i diritti delle formazioni sociali ai diritti della persona, le pone sullo stesso piano, cioè il diritto di associarsi per qualsiasi fine che non sia proibito dalla legge penale ai singoli. Quindi c'è questa equiparazione. E allora la mia domanda è, tutti questi presupposti alla garanzia dell'effettività del principio pluralistico non bastano per costituire essi stessi un fondamento etico dello Stato? Bonjour, merci. Je vais parler en italien aussi. Sì, niente, la mia domanda si ricollega abbastanza a quest'ultima, ma da un punto di vista un po' diverso, nel senso che io pensavo anche a quanto detto ieri sul pluralismo e soprattutto sull'agonismo, quindi su una concezione della politica che in buona parte del pensiero della politica teoria americana ha trovato molto, molta sponda, diciamo. E secondo me però è una prospettiva molto che ripone molte aspettative dal punto di vista del piano discorsivo e formalistico della politica. Invece proprio questa riflessione sulla solidarietà, secondo me, apre un altro tipo di prospettiva, quindi cioè, se il piano del discorsivo, dell'agonismo e del confronto tra le opinioni implica comunque un piano di fiducia del cittadino nella dimensione discorsiva e formale, per cui questa cosa sulla base delle istituzioni si può dare, quando invece forse sarebbe aprire un interrogativo ancora più grande che altri hanno fatto, e mi chiedo se in Habermas ci sia, su un piano di fiducia del cittadino nelle pratiche di fatto, cioè nella formazione anche alla pratica e sì, alla pratica politica. Grazie, anch'io pongo due questioni in italiano. Io ho, diciamo, lamento quando mi cimento in Habermas, che penso che sia, diciamo, uno dei riferimenti ineludibili della filosofia politica e non soltanto contemporanea, una grave una difficoltà, un problema. E il problema lo nominerei così, il tentativo di sublimare in senso normativo la questione del conflitto. Ieri è stato citato questo problema rispetto all'ambito del politico. Oggi, secondo me, questo problema emerge anche per quanto riguarda il sociale, e provo a spiegarmi. Quando si parla, ad esempio, della ricostruzione delle basi prepolitiche dell'integrazione sociale, come si fa a non citare, o se lo si affronta a confinarlo, diciamo così, nell'ambito del sistema e a derubricarlo semplicemente sotto la sfera dell'agire strumentale, il lavoro. Il lavoro è stato uno dei canali della costruzione lenta, travagliata, conflittuale della cittadinanza democratica e di quei diritti sociali che venivano richiamati prima. Non è una lacuna, secondo me, che si può riscontrare soltanto in Habermas, una delle più grandi filosofe del Novecento, che ha dedicato un libro al lavoro, che è Arendt, ha poi finito per presentarci una concezione premoderna del lavoro come nemico e avversario della libertà. Questo è un tema che si ricollega ovviamente, diciamo così, alla difficoltà di
far interagire il pensiero di Habermas con lo sfondo marxista da cui pure lui inizialmente proveniva. Come si traduce questa assenza, secondo me? Si traduce ad esempio nella scomparsa della categoria di sfruttamento come categoria critica e nella comparsa di altre categorie, ad esempio quella di esclusione, che è diventata una delle categorie critiche predominanti nella teoria critica contemporanea. Exploitation, sì. Exploitazione, si dice in francese. Honneth, secondo me, in parte ha provato a, come dire, sanare alcune di queste lacune. Anzitutto ha tenuto conto della questione del conflitto. Ha anche lui però insistito sulla dimensione normativa del conflitto. E anche nel caso di Honneth però vediamo come ci sia il tentativo di ricondurre la questione dello sfruttamento dentro binari normativamente accettabili, per l'appunto quello del riconoscimento. Terza e ultima questione, riguarda il concetto di solidarietà. Se prendiamo sul serio in termini di teoria critica le sfide concettuali poste, diciamo, dalle categorie, della loro capacità prensile sulla realtà, la loro capacità di diagnosticare patologie sociali, il tentativo di superarle, secondo me dovremmo iniziare anche a declinare in senso esclusivo il concetto di solidarietà. Le destre sociali oggi hanno colto la capacità aggregante della solidarietà, ma la declinano in senso esclusivo e neotribale. Non è che, a differenza delle cosiddette destre liberali, anche se questa espressione fa un po' ridere in un paese come l'Italia, le destre sociali hanno sempre insistito, diciamo così, sui diritti sociali. Ovvio che lo hanno sempre fatto al prezzo dell'esclusione di alcune minoranze. Quindi si potrebbe lavorare anche all'ars combinatore, alla capacità di combinare concetti a prima vista promettenti, come quello di solidarietà, con alcune derive che poi rischiano di declinarli in senso esclusivo e di non mantenere la promessa di essere all'altezza con determinati valori democratici. Je vais essayer de donner quelques éléments de réponse aux différentes questions. J'ai pris quelques notes et vous m'excuserez si mes réponses ne satisfont pas entièrement vos demandes. Première question sur la question de la mondialisation. Là, en fait, c'était une idée pas tellement développée par Habermas que j'ai introduite dans le propos, qui est assez banal, qui est tout simplement que la mondialisation, c'est une constatation que tout le monde a fait, a diminué la capacité d'action efficace des États nationaux. La difficulté, par exemple, de trouver une solution étatique nationale à la question du chômage, qui elle-même est liée à la mondialisation de la production. Nous ne pouvons pas agir sur la manière dont on produit en Chine des jouets que nous achetons pour nos enfants, etc. etc. C'était tout. C'est-à-dire, la mondialisation a joué un rôle de déstabilisation, disons, du pouvoir de l'action politique de l'entité étatique comme d'une autre manière les catastrophes produites par le nationalisme ont discrédité en partie l'idée nationale comme substrat du politique et comme également
la religion a cessé de pouvoir fournir de facto ce substrat. C'était juste une remarque en passant qui n'avait pas plus d'importance que cela. À propos de la question des questions juridiques, ensuite je reviens parce qu'il y a deux questions qui allaient un peu dans le même sens, à savoir la sous-estimation de la conflictualité chez Habermas, qui est une objection qui lui a été faite presque depuis le début. Mais d'abord, sur la question de... Alors, j'ai pas peut-être saisi tous les détails, mais un rappel d'abord. Buchenfeld, qui a formulé ce théorème, qui est-il? Buchenfeld est un juriste catholique, social-démocrate, membre du SPD allemand, et qui a siégé pendant presque 20 ans à la Cour constitutionnelle fédérale. C'est un des grands experts constitutionnels allemands, c'est une autorité, mais, il est considéré comme un représentant du courant progressiste dans le paysage du droit constitutionnel. Ce n'est pas du tout un conservateur, et il est intéressant que ce soit un juriste qui n'est pas un conservateur, qui est un réformiste progressiste, disons un social-démocrate non marxiste, mais en Allemagne c'est la règle, je crois, depuis Bernstein, donc c'est assez vieux. C'est intéressant que ce soit lui, ce juriste, on va dire, de gauche, prudemment de gauche, qui ait formulé cette question des ressources extra-politiques nécessaires pour donner un contenu à la procédure politique. Et au fond, aussi bien, alors je n'ai pas eu le temps de parler de Honneth, mais il a posé une question auquel un certain nombre de philosophes, dont les deux... celui dont nous avons surtout parlé aujourd'hui, ont essayé de donner une réponse. Mon avis, c'est que les réponses ne sont pas suffisantes. C'est vrai que Buchenfeld serait le premier à dire, bien sûr, il a écrit des textes absolument remarquables sur l'état de droit social, Sozialrechtsstaat, et l'indissociabilité des composantes, de la composante, disons, libérale, droits individuels, etc., et de la composante sociale, dans la problématique, disons, de l'état social de droit contemporain. Hein, faut se rappeler que dans la Constitution, dans le Grundgesetz allemand, l'état allemand, la République, est définie comme Sozialrechtsstaat, état de droit social. Et pas seulement état de droit, mais état de droit social. Donc ça va tout à fait dans votre sens. Et je dirais que Habermas n'a jamais caché pour sa part, et Honneth aussi. Je me souviens, Honneth me disait il y a 3 ans qu'au fond, vous savez, son dernier livre s'appelle « L'idée du socialisme ». Il me disait il y a 3 ans, au fond, ce que j'essaye de faire, c'est à proposer à la social-démocratie... un programme politique qui vienne en quelque sorte redonner de l'actualité et de la vie aux programmes sociaux-démocrates traditionnels qui sont, nous le constatons dans tous les États européens, la crise de la social-démocratie est terrible. En France, le Parti socialiste a pratiquement disparu, alors que le président était socialiste il y a 2 ans, ou 3 ans, 2 ans, le Parti socialiste a disparu. En Italie, bon, crise bien connue du Parti démocrate et de l'ancien. En Allemagne, même chose. Donc, il y a aujourd'hui un problème, et pour les philosophes comme Habermas ou Honneth, qui, disons, se situent dans ce courant d'idées d'une gauche réformiste, eh bien, la question est particulièrement aiguë. Qu'est-ce qui peut donner des aliments, en quelque sorte, à... Nous croyons aux vertus de la procédure démocratique, nous croyons qu'il faut des élections, qu'il faut... que ce système politique fonctionne, mais le carburant qui peut nourrir ce processus, où allons-nous le trouver? Et
Voilà. Alors, pour ce qui est maintenant de la question de la... je vais laisser ensuite peut-être Isabelle sur la question de la confiance. Elle aura des choses plus fines, précises à dire que moi. Mais la question de la conflictualité, je ne crois pas qu'on... Ça serait malhonnête, enfin, ça serait de dire que Habermas a toujours éliminé ou écarté la question de la conflictualité. Un de ses premiers textes, un des plus remarquables d'ailleurs, qui s'appelait « Travail et interaction », est un texte qui porte sur les écrits du jeune Hegel et sur la question de la dialectique du travail et de l'aliénation dans les écrits du jeune Hegel et bien sûr du jeune Marx. Et c'était des textes tout à fait remarquables dans lesquels Habermas disait « Voilà, nous pouvons, nous devons trouver dans les écrits du jeune Hegel, donc ce qu'on appelle les philosophies de l'esprit de Iéna, une réflexion extraordinairement aiguë sur le travail en tant que, lieu d'appropriation et de désappropriation de soi, les deux à la fois. » En essayant de penser l'unité, le travail comme lieu de réalisation de soi et en même temps comme lieu d'aliénation, au sens que Marx ensuite va développer dans les manuscrits de 1844. Et Habermas disait, nous devons retenir ce double aspect. Le travail, c'est à la fois un lieu... indispensable de réalisation de soi et un lieu d'aliénation, de dissociation d'avec soi-même. En ce sens, je crois qu'il n'a jamais été inattentif à la question de la conflictualité. Et toute cette réflexion récente entre naturalisme et religion, au fond, parlons des choses concrètement. Habermas se pose une question que nous pouvons comprendre. Nous vivons aujourd'hui... Il parle de la société allemande, mais on pourrait dire la même chose en France, en Italie, je pense aussi. Nous vivons dans des sociétés où une partie importante de cette société ne partage pas les convictions culturelles, religieuses, qui avaient fait le ciment de ces sociétés. En France, la première religion, c'est l'islam. Incontestablement, et pas le catholicisme. Ça, c'est fini depuis longtemps. Donc, la première religion, en termes de pratique religieuse, oui. Mais en nombre, c'est la deuxième. Hein. Deuxième ? Oui, ça reste la deuxième. Oui, mais après le catholisme, ça dépend. Ouais, ouais. Si on compte le nombre de pratiquants, il y a certainement plus de... Beaucoup plus de... Enfin, bon, peu importe. Disons qu'en tout cas, je crois que la question qu'il pose, c'est dans des sociétés qui, de fait, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller chercher dans les convictions de musulmans qui ne sont pas forcément des terroristes en puissance, etc., aller trouver dans cette culture des éléments qui permettent d'avoir un rôle intégrateur. C'est la question qu'il pose. Et la question est légitime. La réponse... malheureusement, lui pose un problème, parce qu'on ne peut pas en même temps dire le processus démocratique a trouvé les moyens, et ça, c'est au fond la question que vous posez, de se donner à lui-même ses propres bases, c'est-à-dire qu'en gros, nous n'avons plus besoin de bases substantielles pour la politique sécularisée n'a pas besoin de bases substantielles, elle produit ses propres bases. Allez voter. On disait, c'était au XIXe siècle, on disait dans l'Église catholique, priez et vous croirez. Et c'est à peu près ce que dit Habermas ou ce que disait Habermas aux citoyens démocratiques. Allez voter et vous serez démocrate. C'est-à-dire la pratique va créer ses propres bases substantielles. Mais... Et là, il constate que ça ne marche pas. Donc, il y a vraiment une tension. Voilà. Et pour revenir à la question de l'exploitation, je n'ai pas le sentiment, je ne sais pas ce que dirait Isabelle, je n'ai pas le sentiment que Habermas soit totalement aveugle
à ces questions-là. D'ailleurs, les discussions qu'il a eues avec Wolfgang Streeck, par exemple, enfin, il est relativement ouvert à ce type de critique qui est adressée par Streeck ou par ce qu'on va dire le populisme de gauche ou ce qu'on appelle populisme. Il entend ces critiques. Il ne les accepte pas, mais il les entend. Et sa réponse est de dire nous devons trouver dans la diversité culturelle à la fois un facteur d'intégration et en même temps un risque, enfin une difficulté à surmonter. La confiance des citoyens par rapport à la politique, c'est le même problème. C'est qu'est-ce qui peut susciter cette confiance ? Est-ce que le processus démocratique lui-même suffit à créer cette confiance ? Est-ce que le plébiscite de tous les jours, comme disait Renan au XIXe siècle, Ernest Renan parlait de plébiscite de tous les jours, qui est notre adhésion, notre foi républicaine qui va s'entretenir elle-même. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne pas très bien. Okay. Merci. Alors, merci Jean-François. Pareil, je ne suis pas sûr d'avoir noté tous les aspects des questions. Je rebondis sur ce que vient de dire Jean-François. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la conflictualité chez Habermas n'est pas totalement écartée de sa perspective. Et effectivement, toute la réflexion sur ce qu'il appelle la fragmentation de la société politique ou la question de la division de la société politique se traduit aussi en termes de conflictualité. C'est une notion notamment qui apparaît après l'entretien qu'il a eu avec Giovanna Boradori et Derrida à propos du 11 septembre, en fait, donc la question du fondamentalisme religieux est aussi un moment déclencheur où il va ensuite reprendre cette thématique sur la religion qu'il commence à ses débuts, en début des années 2000, et qu'il va réinterpréter, à mon sens, dans une perspective politique, à savoir que fait-on de groupes sociaux qui se séparent de la communauté politique, comment penser effectivement une sorte de réunion qui ne soit pas une communion, mais qui tienne compte du pluralisme culturel, et donc essayer d'articuler conflit et discours. Moi, je pense que il y a ça, donc la discussion pour lui, comme pour Rawls, en fait, par rapport aux groupes sociaux qui sont totalement qui ont des convictions totalement différentes, se pense avec la thématique de dissensus raisonnable, ce qui est donc ce concept qui prend à Rawls et qui est nouveau par rapport à ses premières réflexions sur le consensus. Donc l'idée que on peut penser une société politique fondée sur un dissensus raisonnable. Je pense que ça, ça montre donc comment il perçoit aussi donc la possibilité de maintenir un conflit, alors que conflit ne soit pas pensé dans des termes physiques, mais en des termes de désaccord permanent, et qui ne prive pas, en fait, je pense, la possibilité de dialoguer. Mais on dialogue s'il y a possibilité de désaccord. C'est dans cet esprit qu'il a dialogué avec Ratzinger. Oui, ils ne sont pas d'accord. Il dialogue avec le futur pape, le pas encore pape Joseph Ratzinger. C'était un petit peu dans cet esprit. Oui. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on discute. Pardon. Oui. Sur la question de la confiance des citoyens par rapport à la politique, en fait, je ne sais pas si ça se pose en ces termes-là. En fait, je dirais plutôt ça, à savoir... J'ai l'impression, parce que c'est aussi une approche procédurale qu'a Habermas, que pour lui, finalement, les citoyens, de façon simplement réactive, et ça, c'est la dimension minimaliste, vont répondre à certaines crises. En fait, donc, c'est même pas qu'ils ont confiance dans la politique, c'est une demande, en fait, de réponse de la part des institutions politiques. Lorsqu'il y a des problèmes
Donc, finalement, est-ce que c'est tellement... Je ne sais pas si la perspective de la confiance traduit mieux ce qu'il perçoit du côté de la société civile. Je pense qu'il y a, d'après lui aussi, donc des demandes, des attentes normatives de la part de la société civile. Et finalement, ce sont comme autant d'interpellations qui vont être perçues du côté des institutions politiques. Confiance, je ne sais pas, parce qu'en fait, finalement, c'est toujours pensé dans une articulation entre institutions et société civile. Autrement dit, il peut y avoir des frictions, il y a des tensions. Je pense que c'est là que se situe en fait sa conception aussi du politique. C'est pas la confiance, à mon sens, traduirait trop une passivité qui veut pas voir pour qualifier en fait l'espace public des citoyens. Bon, mais après on peut évidemment discuter du terme. Alors, je reviens aux questions, d'autres questions. Alors, il y avait la question du chômage, par exemple, ou qui posait plus largement la question de savoir si l'exclusion sociale ou la précarisation n'était pas à prendre en charge par l'État, enfin, la question que vous posiez. Donc, pourquoi est-ce que ce serait aux citoyens et pas à l'État, finalement, de répondre à ces problèmes d'exclusion ? Il y a, évidemment, chez Habermas, donc... une conscience que c'est l'état de droit qui répond par des droits sociaux, des formes d'assistance sociale, évidemment. Mais, alors, et ça nous ramène en fait à son idée qu'il n'y a pas d'état de droit sans démocratie radicale, à savoir tout ne peut pas être pris en charge par l'État. Et au sens où, voilà, pour lui, c'est très clair que la solidarité ne peut pas être une obligation juridique. Ça ne peut pas venir du droit. En fait, c'est la question du lien social, tout simplement, qui est reposée par lui, au sens où, donc, il faut aussi qu'il y ait une impulsion qui vienne des citoyens. Hein. Un type de pratique que les institutions libérales, effectivement, sont insuffisantes à impulser. Et ça rejoint ce que disait Jean-François sur le problème de la raréfaction des ressources de sens que peut donner l'État libéral. De fait, oui, il y a de la part de Habermas, là, en parlant de solidarité comme la référence à un horizon commun de communauté politique, l'idée selon laquelle, eh bien, c'est cette culture politique-là qui doit permettre, en fait, une sorte de cohésion sociale, mais c'est les institutions elles-mêmes ne vont pas orienter, commander ça. Hein, donc, je pense que c'est sa façon en fait d'articuler, encore une fois, état de droit et démocratie radicale. Ça me permet d'aller vers la deuxième question, à savoir la figure du citoyen pensée par Habermas, c'est une figure du citoyen qui prend conscience qu'il appartient à une communauté politique. Et donc, d'une certaine façon, il y a un nous. Ce qui n'empêche pas le conflit, le pluralisme, mais certains principes qui reviennent, le fait que nous sommes des participants égaux à la discussion, qu'on va respecter également les positions de chacun, et sur la question de la pratique politique, comment cette pratique politique finalement peut se développer. Alors c'est dit en des termes qui renvoient en fait à ces études là sur la psychologie sociale, c'est les expressions d'apprentissage complémentaire. En ce sens, il y aurait des processus d'apprentissage qui se feraient dans la société, qui viendraient donc des interactions du quotidien, du fait que les opinions circulent dans l'espace public. Bon, en ce sens, voilà, c'est une certaine représentation de la société qui se profile par là. C'est-à-dire que sans avoir une théorie, par exemple, de l'éducation civique, ce qui serait une théorie républicaine peut-être trop forte pour Habermas, ce qui se profile chez lui, c'est quand même, voilà, nous apprenons les uns des autres si toutefois nous respectons certains présupposés de la discussion, ces notions donc de processus d'apprentissage complémentaire.
idée aussi qui, qu'il a introduit avec sa théorie de l'évolution sociale. On n'est plus dans une philosophie de l'histoire, mais on pense des processus logiques d'évolution, et à travers ça, des apprentissages se feraient par une certaine familiarité, des interactions. Je crois que c'est, enfin, j'espère que j'ai bien compris la question sur la figure du citoyen pour la pratique politique. Ensuite, il y avait une question sur l'aspect exclusif de la solidarité, le risque que la solidarité redevienne en fait exclusive au lieu d'être agrégative, et d'avoir cette composante universaliste comme le voudrait Habermas. Alors, effectivement, il y a ce risque-là. Il me semble que sa manière d'anticiper, de prévenir en fait ce problème, c'est d'introduire la thématisation de la solidarité en un sens politique, en ayant à l'arrière-plan une réflexion qui approfondit l'espace public politique. Sa notion d'espace public politique, qui était jusqu'à présent très procédurale, est enrichie par cette notion de solidarité. Et en ce sens, je pense qu'on ne peut pas la séparer de sa réflexion sur l'espace public politique. Ce qui signifie que tous les présupposés de la communication ordinaire, qui paraissaient très formels, sont simplement complétés par cette ouverture vers la question de la solidarité. Mais en ce sens, c'est pensé comme un principe universaliste. Et c'est une notion, ça devient une notion qui est évidée d'un certain substrat substantiel de toute façon, puisqu'il s'agit de la pensée comme un principe d'inclusion pour pouvoir introduire dans le débat correctement des personnes à qui nous ne parlons pas d'habitude parce que nous sommes en désaccord. Donc en ce sens, c'est vrai que c'est une reformulation de la solidarité qui la détache du particularisme. Quant à savoir si ça fonctionne réellement, si en fait on peut penser une solidarité sans une communauté forte, une identité forte, ça c'est effectivement c'est une objection qu'on peut lui opposer. C'est une... peut-être une nouvelle définition, en tout cas, qu'il défend. J'ai pas noté plus de questions, j'ai peut-être oublié certaines choses. Est-ce que je pourrais rajouter une petite précision en écoutant Isabelle, j'y ai pensé. Est-ce que, à propos toujours de la conflictualité, justement, quand Habermas théorise ce qu'il appelle la démocratie radicale, il est clair que pour lui, ça va très largement au-delà de la sphère politique institutionnelle. Sa réflexion a été nourrie par des événements comme la lutte contre le nucléaire, les luttes antinucléaires en Allemagne, ou bien les luttes contre les missiles, contre la présence de missiles américains sur le territoire allemand. Si on prenait dans d'autres pays, je pense les luttes que mène une fraction de la société italienne contre la construction de la ligne à grande vitesse à travers les Alpes, etc. À propos du ramassage des ordures et des questions de la gestion des déchets nucléaires ici et là. Pour lui, et en ce sens, la conflictualité est intégrée dans sa conception du politique, la démocratie radicale, ça implique la prise en compte de ces formes d'externalisation du conflit politique par et à l'intérieur des forces actives au sein de la société civile. Et de ce point de vue... il y a véritablement une tentative d'avoir une conception, je ne dirais pas agonale du politique, mais en tout cas une conception dans laquelle la conflictualité soit inscrite, et en prenant toujours en compte le fait que la sphère politique ne peut pas, sauf à mourir, sauf à devenir la caricature d'elle-même, fonctionner de manière fermée.
Et ça, c'est quand même quelque chose d'important dans l'histoire de sa réflexion. Voilà, peut-être que maintenant... Vabbè, le cose da dire sarebbero tante, provo a dirne alcune, ma intanto io ho questa impressione che un politico integralmente secolarizzato, appunto, che Habermas abbia scoperto che non funziona, cioè diciamo così, il politico moderno funziona se è secolarizzato ma non del tutto, io la direi in questo modo. E questo è un nodo di fondo che ha a che fare con la teologia politica, che Habermas non vuole, anzi diciamolo più radicalmente, che Habermas presuppone per la sua tesi, però presuppone nel senso che non si può fare lo Stato democratico di diritto senza incorporare la teologia politica moderna, ma che cerca disperatamente di rimuovere. Ha passato tutta la vita a rimuovere questo nodo, diciamo così, che alla fine gli riesce, ecco, riesce fuori, inevitabilmente. Perché? Perché un politico integralmente secolarizzato è inabile a fornire gli anticorpi per contrastare l'altra forza, quella appunto che veniva evocata, che è quella del capitale, diciamo così, del capitalismo, e anche di quella che lui chiama la società amministrata, la modernizzazione deviante, il lato deviante della modernizzazione. Cioè, come dire, un politico integralmente secolarizzato non garantisce l'autonomia della politica come spazio di conflitto e di freno, anche solo di catecono, diciamo, di decisione. Cioè, paradossalmente, è una formula che non mi piace, ma un politico integralmente secolarizzato che di fatto dà per consumata la teologia politica moderna, che è laica, si espone a quella che è stata chiamata la teologia economica. Nozione problematica su cui di Agamben, anche un po' di Benjamin se si vuole, ma insomma poi in realtà è una rielaborazione anche di alcune cose di Foucault sul pastorato, ha mille problemi, però insomma se vogliamo prenderla come diciamo l'altro lato del paradigma, diciamo, teologico-politico, effettivamente sembra che da una parte ci sia una capacità di forgiare pratiche, mentalità, e dall'altra quella capacità di mobilitare risorse energetiche che ancora in Gramsci era molto presente e consapevole. Gramsci, c'è uno dei passi in cui parla di mettere sullo stesso piano egemonia, ideologia, religione come funzione, filosofia speculativa. Cioè questo momento, su un piano totalmente immanentistico, però questo momento di eccedenza, diciamo così, della politica, ancora era molto presente e consapevole, e in Habermas è totalmente esaurito, cioè, ma un po' perché ne ha paura, un po' perché non riesce a pensarlo, e alla fin fine, secondo me, è per questo che si ritrova senza armi, senza strumenti. Poi la religione, è la religione o le religioni, le culture religiose, come dice lui? Lui parla di culture religiose, però anch'io ho l'impressione che sia la religione. Il Habermas. Sì. E in realtà, se si pensa anche a quella fatta enorme, a quell'excursus sulla sovranità popolare, i diritti fondamentali, in cui poi si fa riferimento alle grandi tradizioni metafisiche e religiose universalistiche, mettendole sullo stesso piano, un'altra cosa incredibile. Cioè, a me colpisce molto di Habermas che per lui la metafisica e la religione, la metafisica occidentale e non la religione in assoluto, a parole, in realtà è la religione ebraico-cristiana. È l'universalismo ebraico-cristiano, si sforza di parlare di tre monoteismi, però in realtà con l'Islam c'è un problema, e non vedo questo grande contributo dell'Islam alla sfera del discorso pubblico come lui lo mette. Quelle, quindi è in realtà l'idea che c'è bisogno è la sostanza etico-normativa di cui parla in Faxitite und Geltung, filtrata attraverso il setaccio
della secolarizzazione. Cioè è una posizione, sarà un pensiero post-metafisico, ma che recupera ciò che resta della metafisica e anche della religione, perché poi alla fin fine questa metafisica, letta da un punto di vista post-metafisico, non è tanto diversa per quello che può dare funzionalmente dalla religione, che come dire, non è banale, perché poi che la metafisica, la filosofia, per capirsi, e la religione siano equipollenti, cioè che abbiano un rapporto, sì, un po' stravello, soprattutto la filosofia e teologia, ma che siano sostanzialmente lo stesso terreno, lo stesso ambito, siano equipollenti, appunto, abbiano un fondo, come dire, possano svolgere indifferentemente entrambi la stessa funzione di supporto, è abbastanza impressionante. Aggiungo, diciamo questo, due cose sole. La questione della nazione, appunto, Beckenförde dice, prima c'era la religione, poi c'è stata la nazione e poi il welfare. In una prima fase, nel saggio appunto famoso, il welfare, che però sono risorse materiali, materialistiche, non spirituali, e quindi è inadeguato, perché è eudemonistico, no? Porta sul piano degli interessi materiali quello che sarebbe invece spirituale, e non funziona tanto. Poi dopo, effettivamente, quando parla di stato sociale, di diritto, quando dimostra, e io sono molto d'accordo con lui, la connessione, l'ho anche scritto, fra stato sociale e democrazia, e in realtà il welfare è un fattore di unificazione irrinunciabile. Lo stato sociale è un fattore di integrazione irrinunciabile. Però forse rimane il dubbio che non basti, perché comunque magari ci vogliono anche delle risorse etiche, etico-spirituali, ma comunque senza quello la democrazia non c'è sostanzialmente, si entra in una crisi strutturale. Habermas, certo, la nazione, uno non può dire che oggi la nazione abbia la stessa funzione mobilitante che aveva nell'Ottocento, al netto del fatto che io contesto l'idea che il nazionalismo, la politica, sia, cioè che la nazione, lo Stato-nazione sia riducibile, la storia della nazione, dello Stato-nazione, al nazionalismo e alla politica di potenza. Secondo me è un errore storico, non è così. Nel senso che la nazione è un concetto ambivalente, ma che ha avuto lo Stato-nazione soprattutto un ruolo anche largamente progressivo. Basta pensare nell'Ottocento, la primavera dei popoli, Mazzini, cioè è tutta un'altra, è una roba di cui ci siamo dimenticati, non riesco a capire perché, ma è proprio una rimozione storica. Comunque il punto che mi interessa per Habermas è che, pensando, la nazione non, oramai è un po' compromessa, però si è dimenticato che invece esiste lo Stato-nazione, o anche a volte lo Stato federale, che peraltro ha degli elementi comuni, identificanti in ogni caso, cioè c'è un'identità dello Stato federale che non è nazionale ma gli assomiglia, perché al posto dell'idea di nazione c'è la religione civile, tipo negli Stati Uniti, quindi c'è comunque un fattore di omogeneità. Non è che Habermas, come altri, si è sbagliato, cioè a pensare, a trasporre sull'elemento politico istituzionale, a trasporre la crisi della nazione sulla crisi sullo Stato, sull'istituzione Stato. Insomma, di crisi dello Stato si parla da un secolo, ma come dice Grimm, i sostituti, e certamente è stato, come dire, altre forze si sono messe accanto, ma i sostituti non si vedono, non è stato affatto sostituito. Gli attori principali della sfera internazionale sono ancora gli Stati. Allora, io ho la sensazione che Habermas, come altri, si è gettato in questa dimensione post-nazionale senza avere poi, che è un fattore di spoliticizzazione. Mi spiace dirlo, ma io penso che Habermas abbia contribuito a quello che denuncia e rispetto al quale cerca delle risorse, cioè alla spoliticizzazione. Ha contribuito intellettualmente, è ovvio. Ancora, certo che c'è la globalizzazione, a parte insomma che oggi c'è più una deglobalizzazione, oramai c'è un'ampia letteratura, quindi la globalizzazione ha, cosiddetta globalizzazione, poi bisogna vedere dentro cosa c'è, quale, quella neoliberista, stiamo parlando di questo, ha certamente messo in crisi lo Stato, che poi significa però anche qui,
Habermas sta spesso sui livelli normativi, andiamo a vedere cos'è. È il fatto che a un certo punto, in virtù di precise decisioni politiche che hanno prodotto degli effetti giuridici, si sono determinate una serie, si sono svitate delle viti. In particolar modo si è affermato il principio del diritto assoluto di libero movimento dei capitali, che non è un diritto naturale, non è tantomeno uno spontaneismo oggettivo, non è un evento naturale, tant'è che non c'era fino a 30 anni fa, è frutto di una controffensiva egemonica e di scelte. Poi è chiaro che ci sono processi interni al fordismo, al capitalismo, ma continuare a leggere in termini di oggettivismo e di naturalizzazione secondo me è un errore madornale. Bretton Woods era una forma di globalizzazione, cioè nel senso di cooperazione commerciale occidentale, che prevedeva però il controllo del libero movimento dei capitali e consentiva per questo un'autonomia della politica e della politica socialdemocratica. Quindi per questo vengo alla domanda politica, a cui di solito il professor Kervegan tende un po', ma lui l'ha detto, i partiti socialdemocratici stanno morendo, tranne uno, in Inghilterra, nel senso che Corbyn lì c'è un movimento reale, poi magari stanno cercando di farlo fuori, ma comunque è una cosa che c'è. Perché? La domanda è: perché i partiti socialdemocratici stanno morendo in Europa? E guarda caso le uniche due forze che invece non solo resistono ma sembrano persino rilanciarsi sono: una, Corbyn, il partito laburista, perché ha cambiato radicalmente il paradigma e ha pure capito il significato profondo della Brexit, secondo me. Due, un signore che è socialista in un paese che odia il socialismo, cioè in America, negli Stati Uniti, cioè Sanders, diciamo più o meno socialista, che si rilancia e propone un programma per me di buon senso, ma comunque certo un po' cambierebbe l'America e il mondo. E però è effettivamente, lui viene dal socialismo, e da un socialismo non che si è convertito al neoliberismo, ma da un socialismo socialista, diciamo così. Allora forse il punto è quello, cioè aver aderito acriticamente al globalismo senza vederci dentro e capire bene che cosa voleva dire, qual è la cifra specifica, aver rimosso il momento Polani, questione decisiva per me, aver pensato che c'è una filosofia della storia implicita per cui si passa dalla tribù all'umanità unificata in maniera così, perché volemo se bene, cioè come in maniera acritica, moralistica, moraleggiante, rimuovendo il politico, il conflitto, il potere, quello che vuoi, ma anche quello che serve per cambiare le cose, cioè del conflitto e del potere si sono servite le forze che hanno spostato i rapporti di forza in senso progressivo. Quando non l'hanno più fatto, infatti, si è tornati indietro. E allora, purtroppo, devo dire la verità, Habermas mi sembra partecipe di tutto questo. Lo dico con affetto, nel senso che ne ho una stima infinita come pensatore, però e soprattutto del fatto che lui si rende, annusa e avverte il fatto che c'ha un problema, c'ha dei problemi. Però non si può non vedere, compresa la questione dello sfruttamento, sono totalmente d'accordo, ma del resto è collegata a questo, al fatto che tu leggi poi la globalizzazione, il post-nazionale, il fatto che lo Stato più è impolitico meglio è, in un certo modo, cioè non, se i conflitti in generale sono un problema, perché dobbiamo andare d'accordo, c'è il telos all'intesa, e comunque in ogni caso se ci sono conflitti così più o meno vagamente identitari e non di interessi, forse non c'è la classe, ma c'è la lotta di classe, però. Cioè non c'è la lotta, diciamo così, forse non c'è la classe, è sempre stata una costruzione, c'è la lotta di classe dall'alto, il neoliberismo sono 30 anni di lotta di classe dall'alto, e soprattutto ci sono gli interessi di classe, che siccome oggi non vengono convogliati in una logica di classe, vengono convogliati in un'altra logica, ma sempre ci sono comunque, cioè sono produttivi politicamente, probabilmente a destra, o comunque è una partita aperta. E allora su questo in effetti Habermas, ed è impressionante, è totalmente non può dire nulla, sembra non poter dire nulla, se non fare un appello a cercare delle risorse, e in effetti capisco che l'unica cosa trova è un po' di religione, ma che però insomma
se tu vuoi mettere, allora, dopo che hai, come dicevo, c'è un passo di Nietzsche straordinario in questo, purtroppo, nel senso che in quello in cui dice, vabbè, avete fatto lo Stato mettendolo al posto della religione, occhio, perché ci vorrà poco a detronizzarlo e farà la stessa fine della religione, no? E ci saranno solo le persone private, la società, ci sarà solo quella privatizzazione integrale della società. Quindi che a lui poi non gliene importa nulla, pensa pure che verrà chissà che dopo, insomma, comunque dice, vediamo, non lo dico per tornare indietro, né per accelerare, come vogliono i sociali marxisti, no, lo dico così, verrà fuori un uomo nuovo, però insomma è anche rischioso, diciamo, quello che è venuto fuori a naso non è stato strepitoso, diciamo così. Comunque è geniale la comprensione del fatto che se tu, come dire, neutralizzi, poi sei parte di un movimento di privatizzazione, diciamo così, assoluta. E allora, siccome io non penso che valga la pena, forse ho detto altre volte, passare tutta la vita a pensare e anche a lottare politicamente perché Nietzsche non abbia ragione in quel passo, però bisogna impegnarsi parecchio e bisogna evitare, perché sennò Nietzsche vince facile, o i nietzschiani, se andiamo sulla strada della sottrazione, deflazione e così via. Dico un'altra cosa sola sulla solidarietà, che è una nozione importante ma anche in effetti un po' problematica. D'altra parte, come dire, da una parte di un criterio di identificazione di un ordinamento abbiamo bisogno, quindi di un minimum di adesione, dall'altra, cioè diciamo così, che la solidarietà c'ha in sé sia un'istanza universalistica che un'istanza particolaristica, e non, secondo me non se ne esce da questo, è la sua forza però è anche il suo limite, ecco. Una cosa interessante è quella, anch'io sono perplesso rispetto all'idea che il conflitto sociale, la questione sociale possa essere declinata in termini di esclusione e basta, anche se l'esclusione è fenomeno empiricamente, politicamente una questione rilevantissima. Diciamo così che, però perlomeno l'esclusione, se la leggiamo socialmente, però poi si aprono quelle questioni lì, cioè si apre il conflitto chiave, diciamo, materialistica, diciamo così, evita di cadere nell'idea che il problema sia solo la dominazione. Cioè, perché in fondo, se uno dice che il problema, che la libertà è non dominazione, anche l'idea repubblicana, repubblicanesimo, è facile che si arrivi a pensare che basta il rule of law, e il rule of law neoliberal, pensato in chiave neoliberale e addirittura proiettato su scala popolare. Perché? Perché il rule of law comunque alla fin fine è un modo per limitare il potere di governo, il governaculum, diciamo così. E quindi una volta che hai quello, c'hai il grosso, diciamo, c'hai tutto quello che conta. Secondo me è una prospettiva, lo dico, regressiva, nel senso che è una, intanto è una visione molto dimezzata, dice, cioè è un riolo che è un passo indietro enorme rispetto allo Stato di diritto preso sul serio, che è lo Stato costituzionale dei diritti, in cui al centro ci sono i diritti sociali. E poi ha anche un'idea effettivamente di libertà che di fatto la consegna alla declinazione neoliberale, cioè la libertà è innanzitutto non impedimento ed è libertà economica, è come dire, non, al limite è forse potersi sentire parte di una sfera pubblica, ma in cui le condizioni materiali per essere attori e cittadini sono irrilevanti, poco rilevanti. Allora, ok l'esclusione, però il problema è che è già un passo avanti rispetto alla sola non dominazione. Però la sensazione è che se prendiamo sul serio quello che c'è dentro, cioè l'obiettivo dell'ega libertà, diciamo così, quindi anche minimale, cioè non stiamo parlando della rivoluzione
bolscevica. L'esclusione, la lotta contro l'esclusione non basta, ecco. Diciamola così. Per carità, io sono contro le discriminazioni, cioè, penso anche che sia, abbia in sé, diciamo, il principio di non di divieto di discriminazione, una potenzialità progressiva, forte, emancipativa, però se non ci metti dentro l'emancipazione sociale, non... cioè la questione sociale, che poi è la questione di una contraddizione decisiva, che è quella fra capitale e lavoro. Cioè, questa è una cosa che è stata, ci giriamo intorno continuamente, ma è stata fondamentalmente rimossa, e anche Habermas la rimuove. Non sarà l'unica, però forse se proprio la mettiamo da parte del tutto capiamo poco. Cioè, abbiamo in mano degli strumenti normativi, giuridici, che però, anche del costituzionalismo richiamato, ma che se li togli quel nucleo dell'articolo 3 della Costituzione, per esempio in Italia, cioè togliere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà, impediscono di essere effettivamente a pieno titolo cittadini, rimane poco. C'è anche Stefano Rodotà, che ho amato profondamente, ma insomma a un certo punto si è reso conto nel diritto di avere i diritti che gli mancava un pezzo, e infatti ha scritto il libro sulla solidarietà dopo, cercando di cui non era nemmeno del tutto soddisfatto, cercando disperatamente di mettere un contenuto sociale a supporto di questa fioritura delle soggettività, che figure, per me l'emancipazione è la fioritura delle soggettività, se vogliamo usare questa espressione. Per il problema che ha molte implicazioni politiche e sociali. E io ho la sensazione che spesso si è andati sulla strada della, anche la Nussbaum, della fioritura delle soggettività, dimenticandosi di questi due durissimi nodi, che sono la questione sociale e la questione del politico. E perdi questi due, ti rimane poco, il rischio è che ti rimanga addirittura una retorica da un lato e un diritto strutturalmente ineffettivo dall'altro. Cioè, insomma, uno può anche continuare a fare il quadretto dello Stato costituzionale, ma se è disattivato e se siamo in un processo di decostituzionalizzazione, francamente, sì, è una cosa che difendiamo perché uno si butta va in piazza oppure vota al referendum per cercare di, non l'abbiamo fatto in Italia, almeno io, per cercare di difendere una cosa che c'era, per evitare che venisse eliminata anche dal punto di vista della validità giuridica, ma il problema è che è strutturalmente inibita l'effettività. Questo è il punto, cioè strutturalmente inibita la possibilità di quello che il nostro amico cattivone, su cui insisteva sempre, cioè Kraschmidt, la realizzazione del diritto, la possibilità concreta della realizzazione del diritto. Insomma, alla fine, chiudo su questo, se il normativo è fine a se stesso, è inutile. Il normativo mi serve solo se è uno strumento per incidere sulla realtà. Diciamo così, ecco. Dixi. Ma non lo so, poi non è che sono delle domande, sono delle... Sta pensando. Non, giusto en quelques mots, c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de parler de Ronette, parce que, justement, je pensais à propos de l'exclusion, un des intérêts de la réflexion de Ronette, c'est d'avoir mis l'accent sur le fait que la forme première de l'exclusion, c'est l'invisibilisation. C'est-à-dire, le fait que des fractions larges de la société soient littéralement condamnées à l'inexistence, à la non-visibilité. Hein, et ça, c'est quelque chose que, me semble-t-il, Ronette a mieux compris et perçu comme un phénomène caractéristique des sociétés, on va dire, libérales, capitalistes, avancées, le fait que des couches entières de la société ne soient plus visibles et, par conséquent, ne puissent acquérir de nouveau une visibilité que par des formes de... contestation extrême du système politique. Le meilleur exemple, c'est ce qui s'est passé en Amérique avec Trump.
toutes ces couches de population devenues invisibles, ceux qu'on appelait les pauvres blancs, qu'on ne voyait plus, qui n'existaient plus, etc., n'ont pu réacquérir une existence sociale et politique qu'en adhérant massivement à une pratique et un discours politique qui paraît contester radicalement les présupposés minimums du discours politique démocratique, tel que Habermas, par exemple, peut le concevoir. Trump comme réponse à Habermas. C'est assez terrifiant, mais ça, c'est quelque chose qui... Quoi ? Eh oui ! Ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais... Sì, beh, è un sintomo, diciamo così, ecco. Comment? È un sintomo. Tra... Un symptôme, mais aussi le symptôme d'une fracture qui traverse nos sociétés, hein, mais... Certo. Et dont l'invisibilité extrême de couches entières, ça concerne aussi, dans un pays comme le nôtre, hein, ce mouvement actuel en France des Gilets jaunes, c'est aussi un mouvement de protestation contre l'invisibilité de couches entières de la société qui, tout simplement, n'existait plus. On faisait comme si elle n'existait plus. Et qui ne trouve pas d'autre moyen que cette action extrêmement théâtrale, spectaculaire, parfois violente, de réacquérir une visibilité. Et ça, c'est quand même des éléments, des choses qui, disons, constituent une grande difficulté pour une théorie comme celle de Habermas, me semble, peut-être. Et ça va plutôt dans ton sens, je crois. Bon, je veux bien réagir, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, en fait, dans ta réponse. J'ai compris que tu disais que la question de l'exclusion n'est pas suffisante si on vise toujours le projet d'émancipation et que l'objectif, c'est l'égal-liberté, à la différence donc, de ce que serait la portée plus générale d'une critique de la domination. Donc mais en ce sens, enfin, je ne suis pas en désaccord, c'est-à-dire que mon idée, ce n'était pas de montrer que la ligne principale de la théorie critique consistait à n'étudier que l'exclusion. En fait, ce que j'essayais de montrer, c'est qu'il n'y a pas qu'un intérêt pour la domination. Que leur réflexion ne prend pas toujours comme cible la question de la domination, mais que dans certains écrits, et pas dans tous, évidemment, la question de l'exclusion apparaît, et que, à mon sens, c'est pas, les deux ne sont pas réductibles l'une à l'autre. C'est-à-dire que, effectivement, il peut y avoir des formes de domination qui font qu'il y ait de l'exclusion. Ceux qui sont les groupes dominants, forcément, sont toujours visibles. Les groupes dominés sont invisibles. Mais ce qui se passe, c'est que, à mon sens, il y a une forme de seuil. On peut considérer que il y a certains groupes dominés qui sont visibles, qui sont peut-être, je ne sais pas, les classes populaires, mais qui restent au-dessus d'un certain seuil, peut-être, de conditions matérielles ou de prise en charge sociale. Et on peut considérer que d'autres groupes sociaux se sentent exclus et, de fait, le sont. Alors, ça peut être, par exemple, pour des questions de ségrégation urbaine. Les gens des banlieues... Enfin, la perspective de la domination ne suffit pas, en fait, à appréhender, à mon sens, certaines conditions sociales de certains groupes. Et en ce qui concerne, pardon, la question du conflit entre les citoyens laïcs, les citoyens religieux, ou peut-être la majorité chrétienne et une minorité musulmane, dire que, effectivement, il y a une culture dominante qui est la culture chrétienne.
dans certains pays européens met l'accent sur quelque chose d'important, mais je pense que, par ailleurs, si on parle en termes d'exclusion, on peut comprendre davantage peut-être le point de vue de certains groupes musulmans qui se sentent pas simplement dominés sur le plan culturel, mais aussi qui n'arrivent pas à s'intégrer. Et l'absence d'intégration alimente une sorte de frustration, le sentiment d'être quand même exclu de cette société politique qui promet une même émancipation pour tous. Voilà, donc c'est simplement pour... c'est une façon de déplacer un peu le curseur, de dire... parler en termes de domination, ça permet de penser, oui, le conflit, je suis d'accord. Alors que la perception de l'exclusion, c'est dire, eh bien, peut-être que même le... Ou alors le conflit sera beaucoup plus violent, comme le disait Jean-François, parce qu'il s'agit tout d'un coup de se montrer qu'on est là. Ça sera pas... c'est peut-être pas... ouais, c'est pas la même source de tension, sans doute. Mais... Alors, merci. Merci Isabelle, merci Jean-François, merci à tous.